On peut dans un tableur modifier très facilement la mise en forme du texte que vous avez saisi dans les cellules. Prenons par exemple l'exemple du titre. En cliquant sur cette cellule, c'est comme si je sélectionnais mon texte qui s'appelle donc Résultat des ventes janvier. Je peux alors modifier la police de caractère. Je peux modifier sa taille. Par exemple, prenons taille 14, et je peux aussi mettre du gras, de l'italique, du souligné, etc. C'est aussi simple que ça que de modifier la mise en forme d'un texte. Si je prends mon texte sur différentes cellules, il faut faire alors un cliquer-glisser pour sélectionner l'ensemble de ces cellules. Ces différentes cellules apparaissent en gras et centrées sur les différentes cellules. Idem pour bénéfice total, je sélectionne, je le mets en gras, je peux augmenter la taille de police, par exemple mettre en taille 12. Bref, vous pouvez faire ceci sur l'ensemble du texte que vous souhaitez. Vous pourrez aussi ajouter bien sûr de la couleur avec la fonction couleur de police. Et vous pourrez aussi ajouter de la trame de fond sur différentes plages de cellules en utilisant le bouton qui est ici, qui s'appelle couleur d'arrière-plan. Je peux alors griser ou mettre de la couleur sur un ensemble de cellules. Par exemple, là où j'ai fait mes formules de calcul. Voilà en ce qui concerne la mise en forme du texte à l'intérieur d'un tableau.